Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un musée extraordinaire. Imaginez un magnifique écrin, la Toscane. Dans cet écrin, un magnifique bijou, Florence. Et sur ce bijou, une somptueuse pierre, le musée des Offices. La visite débute au deuxième étage. Le long corridor est consacré à l'archéologie. Il abrite des sculptures antiques, des sarcophages et des bustes. C'est un passage qui relie les différentes pièces du musée et qui ponctuera donc notre visite. On passe ensuite dans les salles qui sont organisées de manière chronologique, en commençant par les primitifs italiens, une sorte de transition entre les esthétiques byzantines et gothiques. On y trouve une collection de grandioses maestras réalisées par Cimabue, Giotto ou Duccio. Dans les salles suivantes, les personnages s'humanisent et on rentre progressivement dans la Renaissance. Il faudra arriver à la salle 10 pour découvrir l'incroyable collection d'œuvres de Sandro Botticelli, l'enfant de Florence. C'est bien sûr la plus belle collection réunie de l'artiste au monde. C'est aussi ici que se trouve sa très célèbre Naissance de Vénus. Suivent ensuite les très populaires toiles de Léonard de Vinci, lui aussi passé par Florence pendant la période de magnificence de Laurent de Médicis. La tribune est une salle octogonale qui ressemble un peu à un cabinet de curiosités avec plusieurs pièces de collection ayant appartenu aux Médicis. La voûte décorée et le sol en marbre sont impressionnants. Les salles suivantes s'ouvrent sur la Renaissance italienne en dehors de Florence. Le couloir oriental de la galerie des Offices s'arrête ici et amène sur une loggia vitrée. On peut y profiter de quelques points de vue sur l'Arno et même sur le fameux Ponte Vecchio. Une enfilade de salles nous offre maintenant des Titiens, des Véronèse ou des Michel-Ange. On arrive dans la grande salle de Niobe où un ensemble de statues de marbre dont on ignore la date et la provenance illustre le mythe grec. Cette pièce a été mise en place en pleine période néoclassique en 1780. La galerie ouest se termine sur le groupe helléniste du Laocoon, une copie d'une œuvre antique découverte à Rome en 1506 et faite par Baccio Bandinelli entre 1520 et 1525. On descend maintenant au premier étage. Les salles bleues sont consacrées à différentes écoles du XVIIe et XVIIIe siècle, les écoles espagnoles, françaises et de nombreuses écoles des Flandres.
Puis les salles rouges reviennent sur les œuvres plus locales de Del Santo, de Angelo De Cosino, di Bronzino, mais on y trouvera aussi la salle de Raphaël avec la Vierge au Chardonneret ou l'autoportrait du jeune homme à la pomme. Les salles se succèdent encore et on aboutit aux salles caravagesques dans lesquelles on trouve notamment Bacchus, la tête de Méduse ou le sacrifice d'Isaac. L'itinéraire continue avec les salles vertes et le cabinet des dessins. J'espère que ce rapide aperçu des collections du musée des Offices vous aura donné envie de venir à Florence. Si vous cherchez la statue du David de Michel-Ange, sachez que sa copie se trouve pas très loin d'ici devant le palais de la Seigneurie et que l'original se trouve avec d'autres sculptures de la Renaissance italienne dans un autre musée de la ville, la Galerie de l'Académie. Je vous retrouve dans d'autres vidéos pour découvrir d'autres musées parmi les plus beaux du monde et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater.